est Thomas Callens, le gardien d'Annecy qui a sorti l'OM. Il était pourtant maudit. Le début de carrière de ce jeune gardien a été semé d'embûches et son ascension professionnelle longtemps retardée, la faute au Covid. Alors qu'il devait faire ses débuts en pro avec Caen pour suppléer Rémy Rioux, le match sera annulé la veille à cause du début de l'épidémie Covid. Même son de cloche l'année dernière avec Lorient, le match où il devait encore effectuer ses grands débuts sera reporté à une date ultérieure en raison de trop nombreuses contaminations. Mais Thomas Callens s'accroche jusqu'à ce parcours fantastique mené par Annecy auquel il est loin d'être étranger. Véritable spécialiste des pénaltys, il détourne hier une tentative d'Alexis Sanchez pendant le match avant de mettre en échec Nuno Tavares durant la séance de tir au but. Son équipe prendra alors l'ascendant mental et fera le boulot à Marseille. Mais il n'en était pas à son coup d'essai. En 16e de finale face à Belfort, il avait déjà stoppé deux tentatives lors de la séance de tir au but. Il récidive même en 8e avec trois nouveaux exploits face au Paris FC. Tout sauf un hasard pour ses coéquipiers, dont l'un dira même « on savait que si on allait au pénalty, on gagnerait ». Une belle preuve de confiance pour un gardien révélé sur le tard mais dont l'ascension ne fait que commencer.